La Tour Eiffel existait depuis presque 30 ans. Messieurs Coste et Bellont jouaient à saut d'océan. Dans les allées du bois, à cheval sur deux roues, les jeunes filles en fleurs laissaient voir quelquefois leurs genoux. Et notre siècle n'était encore qu'adolescent. Et Monsieur Carpentier s'habituait à ses gants. C'était l'entre-deux-guerres, mais on ne savait pas qu'un fou nommé Hitler pousserait sa folie jusque-là. Mais en attendant, on chantait, les années folles commençaient, et d'Amérique d'autres musiques s'en venaient. Mais en attendant, on dansait, les années folles commençaient, et d'Amérique nos rengaines fredonnaient. La Tour Eiffel relayait la radio quelquefois. Monsieur Charles Lindbergh commentait son exploit. Au large de Terre-Neuve reposait Titanic. Monsieur Charles Dullin saluait le public à Paris. Mais en attendant, on chantait, les années folles commençaient, et d'Amérique d'autres musiques s'en venaient. Mais en attendant, on dansait, les années folles commençaient, et l'Amérique nos rengaines redonnait. La Tour Eiffel est debout depuis presque 100 ans. Les rives de la Seine sont fermées aux passants. Il ne reste presque plus rien à conquérir. De temps en temps, j'ai presque envie de revenir. La 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 la